chant. Que Dieu vous comble et qu'il vous remplisse. Soyez-vous pour un moment. C'est encore un grand privilège que Dieu nous a accordé d'être ici ce soir. Et nous voulons remercier notre précieux pasteur. Le pasteur Bokuma, acclamons le Seigneur pour lui. Pour ces privilèges et cette opportunité qu'il nous a accordé de venir se communier avec vous et d'ouvrir cette convention internationale comme l'ancien l'a dit. Et nous saluons tous les grands hommes de Dieu qui sont parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et chaque frère et sœur de cette église. Personnellement, j'apprécie beaucoup le pasteur Bokuma. J'ai beaucoup de respect à son égard. Pour le grand travail qu'il est en train de faire ici. Et nous disons que le Seigneur puisse le bénir. Amen. Amen. Je crois que vous êtes prêts pour écouter la parole. Comme le pasteur, notre pasteur. M'avait dit, le sujet, c'est l'impact du ministère d'Élie de Malachie 4. Et comme l'ancien vient de le dire, nous ne voulons pas quitter le sujet. Parce que le péché, c'est manquer le but. Vous croyez à ça? Nous voulons toucher le sujet. Et après, notre précieux pasteur viendra encore. Alors rapidement, mettons-nous debout. Comme le sujet l'indique, ouvrons nos Bibles dans Malachie chapitre 4. Nous prenons juste le verset 5 jusqu'au verset 6. La Bible dit: voici, je vous enverrai les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Ajoutons Matthieu chapitre 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 11. Le verset 11. Parce que nous sommes l'épouse, les ouvriers de la 11e heure. Vous croyez à ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. Amen. Ajoutons Apocalypse chapitre 10. Parce que nous parlons de l'impact du ministère. Lisons notre promesse, mais j'ai vu un autre ange puissant qui descendit du ciel. Enveloppé du nid au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme il rugit un lion.
Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers les ciels. Il gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. La dernière écriture, Apocalypse 22, comme nous sommes dans l'année 22, pour honorer l'homme de Dieu, Apocalypse 22, nous lisons Apocalypse 22, le verset 8 au verset 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Quand je l'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, de celui de tes frères et les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, toi le maître des temps et des circonstances, tu savais que ce soir nous serons ici, Père, pour briser le pain, partager avec ton peuple, pour ouvrir cette convention. Bénis, Seigneur, tous les hommes de Dieu qui sont ici. Bénis les anciens, Seigneur. Bénis ton serviteur, notre précieux pasteur, son église, et pour l'invitation, Seigneur. Nous avons lu la parole, parce que nous avons été à l'école. Quand tu as donné la vie et l'interprétation, cela ne peut venir que de toi. Écarte l'homme du chemin. Ils ne sont pas venus ici pour m'écouter, moi. Je ne suis qu'un pécheur sauvé par ta grâce. Mais laisse que l'omnipotence parle et les miraculeux prennent place dans nos vies. Que ça soit un moment béni dans le contrôle de la chèque au dernier banc, dans le nom de Jésus-Christ. Guéris ceux qui sont venus malades, sauve les perdus, délivre les captifs. Et remplis ceux qui sont venus vides. Nous croyons que tu vas le faire. Quand on l'avait ainsi prié, demandé, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu, soyez-vous. Mon sujet de ce soir, c'est le thème que notre précieux pasteur nous a donné. J'aimerais parler sur l'impact du ministère de l'île de Malachie 4 dans l'église en ces derniers jours. Là où nous avons lu dans Malachie 4, nous croyons que Dieu nous avait promis Élie le prophète. Nous croyons qu'il est déjà venu. Et son nom, c'est William Branham. Combien te dire? Et c'est de lui dont il est parlé dans Apocalypse 17, que quand il viendra, Dieu va révéler le grand mystère. Qui peut dire amen? Et c'est lui l'ange qui révèle Apocalypse à Jean. Est-ce que vous croyez à ça? Tellement que l'impact de son ministère était glorieux. Arrivé à la fin, nous voyons ici que Jean a voulu l'adorer. Mais l'ange a dit à Jean, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Jésus ne peut jamais refuser l'adoration. Mais qui est cet ange ici qui refuse d'être adoré? Est-ce que vous êtes avec moi? Cet ange-là, c'est le prophète Branham. C'est quoi, s'il y a un visiteur ici ce soir, nous, on n'adore pas William Branham. Garde-toi de le faire. Mais nous croyons plutôt à l'impact de son ministère. Qui peut dire amen? Remarquez le mot impact par définition. Veut dire l'effet produit dans quelque chose.
quelque chose. Quand on dit l'impact, c'est un effet que cela produit. Quand on dit l'impact, c'est l'action exercée sur quelque chose. Quand on dit l'impact, c'est l'influence exercée sur quelque chose. Et notre précieux pasteur nous a dit, nous voulons étudier ici quel est l'impact, quelle est l'action exercée du ministère de Frère Branham dans l'église en ces derniers jours. Quel est l'influence de son ministère dans ces derniers jours? Qui peut dire amen? Remarquez, Frère Branham dit ici quelques citations du prophète dans la prédication Dieu dévoilé, 337. L'homme de Dieu dit, mes amis, toutes, voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Oh, dites amen au prophète. Tous les types que vous lirez dans la Bible, tous les paraboles sont manifestés ici. Qui peut dire amen? Essayer de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. 212. Frère Branham dit, bon, on a eu des élus, des manteaux de lit, tout ce que nous savons de lit. Mais les lits d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dites amen au prophète. C'est lui qui doit venir. C'est le livre du Saint-Tronc. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. Qui peut dire amen? Quelques citations de base. Frère Branham dit honte de lui. Paragraphe 17, il dit, cela fait des années que j'essaye de retourner en Afrique. Et je crois que nous sommes ici à Kinshasa en Afrique. Car je sens que mon ministère en Afrique n'est pas encore terminé. Pourquoi devrais-je aller en Afrique alors qu'ici aux États-Unis il y a des billes qui m'appellent? Voyez-vous, juste ici, sans oublier le Canada, le Mexique, vous voulez des endroits. Pourquoi devrais-je aller là-bas? Il y a quelque chose dans mon cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui m'attire en Afrique? Il y a quelque chose. J'aimerais aller inutile pour mes frères noirs. Il y a quelque chose de bon. Je crois que le Seigneur m'a appelé pour mes frères noirs. Qui peut dire amen? Remarquez, il dit ceci. Ayez foi en Dieu. Paragraphe 4. Laissons-nous finir la citation et puis on va entrer. Il dit, maintenant nous sommes tristes que nous soyons obligés de partir. Après juste deux ou trois soirées, nous allons à un endroit appelé Everest. Je crois que c'est votre état de Massachusetts. C'est de là que nous continuons ensuite jusque dans les mines là-bas, dans quelques semaines. J'irai où? En Afrique, puis en Inde. C'est là, apparemment, que mon ministère a un plus grand impact. Le pasteur m'a dit de parler sur l'impact du ministère de Malachika. Et vous remarquerez ici, il a dit, il veut aller en Afrique parce que c'est là où il y a l'impact de son ministère. Qui peut dire un grand impact? Apparemment, c'est là en Afrique. Là où il y a un grand impact de mon ministère. Les Américains ne sont pas bien pour recevoir mon ministère. Parce que le peuple américain est intellectuel. Ils ont la pensée basée sur le psychiatre et ainsi de suite. Mais je crois que mon ministère a beaucoup d'impact en Afrique. Qui peut dire amen?
Dans par ta parole, il dit, paragraphe 11. Ô éternel, oh Yahweh, accorde que cette réunion, comme l'ancien l'avait dit ici, écoutez cette prière du prophète, accorde ce soir plus qu'un service de guérison. Que cela ne soit pas la guérison du corps, mais la guérison du corps de Christ. Le rassemblement en un lieu en Jésus-Christ, que la grande manifestation du Saint-Esprit s'opère ici, visitant les enfants de Dieu, inspire tellement leur vie. Et dans ces réunions qui se tiendront ici à New York, nous le tenons ici à Kinshasa, amèneront cette grande ville à trembler sous la puissance du Saint-Esprit. Et l'impact qui va descendre ici, cela amènera cette grande ville. Nous voudrons voir les gens courir de partout. C'est un plan, la même chose. Que l'impact de cela oigne le ministre pour de grandes réunions. Qui peut dire amen? Dans paragraphe 12, il dit, il est si merveilleux. Il n'est pas étonnant que le prophète l'a appelé le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Prince de paix, le Conseiller. J'ai un petit témoignage ici. Le témoignage de la guérison de la sœur Florence Nitingal. Combien se souvient d'elle? La guérison de la sœur Florence Nitingal. Et je crois que sa guérison. Je me demande bien quel est le grand impact de son témoignage là-bas en Afrique du Sud, là où je viens, et partout dans le monde, que sa guérison à elle amène un grand impact là-bas dans toute l'Afrique. Qui peut dire un grand impact? Remarquez, frère Branham, est-ce que vous êtes avec lui? Pour savoir l'impact de son ministère, nous devons d'abord savoir son ministère, la grandeur de son ministère. Vous ne pouvez pas comprendre l'impact de son ministère sans savoir qui il est d'abord. Pour comprendre l'impact du ministère de William Branham, nous devons d'abord savoir les promesses de son ministère et sa grandeur dans la Biblia. Parce que laissez-moi vous dire, il est le plus grand prophète, le plus grand et puis Enoch jusqu'à nos jours. Est-ce que je parle aux croyants? Parce qu'il aura le ministère de la pierre de fer. S'il a un grand ministère, son impact doit être trop grand. Amen. Et son peuple sera bénéficiaire de son impact. Mais qui est ce prophète de Malachita? Nous savons qu'il est le plus grand de tous les prophètes. C'est la quatrième fois que l'esprit de lui est venu. Parce que l'esprit de lui doit venir cinq fois. Bien aimé, le chiffre 5, c'est la grâce. C'est ça la foi en anglais. C'est ça Jésus. Combien peut dire amen? La première fois, c'était Élie sur l'île de Tishbite. Il n'a fait que quatre miracles. Mais Élie n'avait pas un message. Et la deuxième fois sur Élisée, Élisée a fait huit miracles. Mais Élisée n'avait pas un ministère. Il n'avait pas un message. Qui peut dire amen? Et la troisième fois, l'esprit est venu sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a fait aucun. Mais il avait un message de présenter le message. Et la cinquième fois, je saute un peu, ça va venir selon Apocalypse 11. Élie et Moïse apparaîtront aux Juifs. Élie sera là seulement pour frapper la terre. Qui peut dire un grand mot? Mais la quatrième fois, c'est le grand impact. La quatrième
plein foi, voyez voir la mathématique de Dieu. 4, c'est le nombre de la délivrance. C'est quand Dieu créa la terre, la lumière est apparue le 4e jour pour délivrer les semences. C'est quoi Jésus est venu au 4e millénaire et il nous a délivré à la croix. C'est quoi les 3 hébreux de la fournaise ardente. Quand le 4e est venu, c'était la délivrance. C'est pourquoi Lazare est mort 3 jours sans délivrance. Mais le 4e jour, quand Jésus vient, alléluia, c'était la délivrance. 4, c'est le chiffre de la délivrance. Et Dieu l'a choisi minutieusement. Il est place dans Malachie 4. Tout est parfait. Parce que ce sera le grand Élie. Ce sera l'immortel Élie. Libre en âme. Il aurait le miracle qui n'ont jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu un homme avant Branham. Il n'y aura jamais un homme après Branham qui fera les miracles comme frère Branham. Si vous le croyez, dites amen. Lui n'a pas seulement les miracles, mais il a et les miracles et le message, le plus grand message, l'ouverture de tous les mystères. C'est lui le grand C'est lui l'immortel Élie. Qui peut dire un grand mère? Jésus a dit, quand Jean-Baptiste était là, que il est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes. Mais Jésus savait. Il a dit, mais le plus petit dans le royaume. C'est là qu'il est venu le plus petit, le dernier dans le royaume. Et plus grand que Jean-Baptiste. Et le dernier messager. Dans le royaume de Dieu, c'est le lit de Malachie. Est-ce que vous croyez à ça? Après Branham, il n'y aura jamais un autre messager. Lui aura un grand impact. Son impact sera glorieux. C'est pourquoi lui, son impact, le 7e ange termine tous les mystères du livre. Amen. La Bible était scellée. Il y avait des symboles. Quand vous adorez sous les symboles, vous adorerez Satan. La vraie adoration, c'est quand les symboles sont brisés. Et celui qui révèle les symboles, c'est William Branham. Quel grand impact! Un grand hommage au grand prophète de Dieu. Il est le grand Élie. Il révèle toute la Bible. Regarde son impact. Il révèle même l'éternité. Est-ce qu'il y a des croyants? Il révèle ce qui était dans la pensée de Dieu depuis l'éternité. Il descend sur la terre. Il révèle le commencement. Il révèle tout l'Ancien Testament. Il révèle tout le Nouveau Testament. Il révèle les zodiacs. Il révèle la Il révèle tout. Il révèle même le silence. À l'ouverture du 7e saut, il a eu le silence. Mais quand Branham vient, il révèle même le silence. Il révèle les couleurs. Il révèle les chiffres. Il révèle les symboles. Il révèle même les formes géométriques. Il révèle les lois de la nature. Qui est ce grand Élie? Un grand prophète. C'est pourquoi il a été promis à la Bible 14 fois. Et 14, c'est la fin des âges. 7 ans d'Israël, 7 ans des nations, c'est la fin. Souvent Jésus est mort le 14e jour. Il est l'ange d'Apocalypse 1. Je veux que vous soyez des croyants. Vous ne pouvez pas comprendre son impact si vous ne savez pas qui il est.
azali. Il est l'ange d'Apocalypse 1. Azali moi je suis pour la liboso. Et d'Apocalypse 22. Dont Jean voulait l'adorer. L'esprit d'adorer Branham n'a pas commencé au Congo. Ni même au Branham tabernacle. C'est Jean qui a commencé sa lutte de Patmos. Mais l'ange a dit à Jean, garde-toi de le faire. Et nous voulons que cette église, peu importe l'impact, on doit se garder à ne pas adorer Branham. Qui peut dire un grand nom? Il est là d'Apocalypse 3. Les septième étoile dans la main de Dieu. Dites amen. Il est là d'Apocalypse 3:14. Le messager de l'Odyssée. Dieu n'a pas écrit la lettre à l'ancien. Ni à moi, ni à mes collègues. Écrit à l'ange. De l'église de l'Odyssée. Prenez main cet ange-là. Mais si vous le croyez, dites amen. Il est la porte ouverte d'Apocalypse 4. Il est l'aigle volant d'Apocalypse 6. Le quatrième être vivant dans la forme de l'aigle, c'est William Branham. Je peux aller plus loin. Il est l'ange d'Apocalypse 8. 13. C'est lui l'aigle volant qui vole. Et les malheurs vont le fuir. La troisième guerre mondiale. Merci Seigneur. Il est là d'Apocalypse 17. Qui révèle tout le mystère. Il est la sagesse et l'intelligence. D'Apocalypse 13. Qui calcule le nombre de la bête. Il est l'ange. Qui a l'évangile éternel. D'Apocalypse 14 et 6. Il est l'intelligence et la sagesse. D'Apocalypse 17. Qui dévoile Babylone la grande. Il est l'ange. Qui a une grande autorité. Et la Bible dit que la terre a été éclairée par sa gloire. Et il cria, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Qui est cet ange-là? Branham dit c'est son ministère. Et quand il parle, sa voix sur la terre amène le corps au ciel. Et qui est cet ange-ci? Quand moi je prêche, il n'y a pas le corps au ciel. Mais quand lui parle, il y a même le corps au ciel. Ça y est des croyants. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est long. Il est loin de cet ange qui avait les sept coupes remplies de sept derniers fleurs qui présente le pouce. Branham dit c'est lui. Il est l'ange qui était prédit depuis Malachite. Il est Élie. Jésus lui-même l'a prédit d'Apocalypse 17 que il est vrai que Élie doit venir pour restaurer choses. Oh, mais j'attends les croyants dire amen. Parce que tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tous les deux parlaient de cette terre. Cela ne peut pas vous scandaliser. Frère Branham dit que même le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, il était l'ombre de ce jour. Qui peut dire amen? Cependant, il est grand cet ange. Il est l'homme le plus puissant. Qui peut dire un grand mot? Il a été prédit dans toute la Bible. Plus de 14 fois. Quel ange! Quel impact que cet homme a! Il a été prédit. Même sa vie, son nom combo na ye, est mis dans les sept pics des montagnes. Comme un signe éternel. Quand Dieu designait la terre, arrivé là-bas, il a mis son nom. Il a dit, quand tu auras des doutes dans ton ministère, reviens ici, j'ai mis ton nom. C'est quoi? Le nom de l'héritier sur l'héritage. Gloire à Dieu. Il est
Azali. C'est lui à qui sa face a été gravée dans le roc. Il est celui qui a accompli en lui-même tous les types et les paraboles de la Bible. Mais si vous le croyez, dites amen. Il est Azali. Celui qui a la grande autorité. Il est celui qui est né sous le signe de la constellation des étoiles. Il est celui qui est né 5 minutes après la colonne de fer venue. Moïse a fait 80 ans pour raconter la colonne de fer. Mais cet ange, 5 minutes après, la colonne de fer. Merci Seigneur. Est-ce que vous croyez à cela? Il est celui qui a été photographié. Il est celui qui a été photographié avec le trône de Kéba. Ézéchiel avait vu. Il est celui le jour de sa mort. La lune est devenue le sang. Et les nuages ont formé la forme d'un œil. Il est le seul que Dieu donna les trois mots clés de la Bible. Qu'aucun mortel ne connaît. Qui peut dire en grand? Aucun pasteur ne connaît les trois mots. Dieu lui a dit quand tu prieras, si la maladie résiste, retire-toi de la micro et prononce les trois mots qu'aucun mortel ne connaît. Qui peut dire un grand nom? Il est le seul, voyez-vous, à qui sa conscience et sa subconscience étaient ensemble. Il est celui qui a été emporté dans la nuit du gloire et 8 mars à 8 heures, la nuit du 28 février. Il est celui que le médecin a dit, la constitution même physique est différente des autres humains. Vous devez croire ça. Il est celui que le tailleur avait dit, non mais ton épaule est un peu affaissée. Je ne vais pas dire quelque chose là-dessus. Il est Azali. Celui qui a bougé l'ampoule par la pensée. Aucun peut le faire. Qui peut dire un grand mot? Il est celui à qui les ancêtres des Sud-Africains morts étaient réveillés pour leur dire, allez dans la réunion, Dieu nous a visités. Il est celui quand l'ange du Seigneur a touché la chemise d'un incrédule, les empreintes de la main de Branham correspondaient aux empreintes de la main de l'homme. Qui peut dire la main? Il est celui qui est devenu une idole vivante. La stature d'un homme est parfaite. Qui est exactement comme Jésus? C'est William Branham. Il est celui à qui ça tombe jusqu'à aujourd'hui. Il est le surnaturel. Il est le seul qui a interprété tous les trois Bibles. Il est le seul qui prêche dans le soleil. Il est le seul qui connaît le chemin du ciel. Ton Isabelle voulait le chemin. Il a dit, je ne connais pas. Et Dieu lui a dit, regarde cet homme-là en djinn. Qui peut dire amen? Il est le seul qui a le pouvoir de l'infaillibilité. Aucun pasteur au Congo, aucun pasteur ni en Afrique du Sud peut avoir le pouvoir de l'infaillibilité. Mais dites amen. Il est celui à qui on est en train de prier, sa poitrine appuyée sur le roc, qui a écrit aigle blanc. Il est le grand prophète. Qui peut dire un grand mot? Il est prophète le seul. Par une seule prière à Durban, 7 camions de béquilles interrogeant les temps anciens. Est-ce que quelqu'un de comme ça nous a visités? Mais qui il est? Dieu nous a visités dans ce temps. Par son nom appelé Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire
amen. Mes frères, pourquoi tu nous dis tous ces détails? Vous ne pouvez pas comprendre son impact sans savoir qui il est. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète, hallelujah, amen, en qualité d'un prophète, aura la récompense d'un prophète. Alors qu'ici, il y a ici plus qu'un prophète. Recevez la récompense. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il y a eu des témoignages. J'ai prié pendant 40 ans pour que le ministère de Jésus retourne sur la terre. Je l'ai vu dans cet homme, William Branham. Tommy Osborne a dit, ce jour-là, j'ai vu le même Jésus dans la chair humaine. Prédicateur, même si ton ministère ne marche pas, Osborne avait échoué en Inde. Mais quand il a vu l'impact, son ministère a changé. Et je veux que dans cette conversation, que nos ministères changent sous l'impact de son ministère. Gloire à Dieu. Qui peut dire un grand nom? Il est celui que le docteur Livre a dit que quand j'ai rencontré Branham, j'ai su le même jour qu'il était l'homme le plus important de toute la terre. L'homme le plus important du Congo, ce n'est pas fatigue. L'homme le plus important du Congo, ya Congo, de l'Afrique du Sud, de partout, c'est William Branham. William Branham. Qui peut dire amen? Il est celui que le frère Sotman a dit. Quand j'ai vu William Branham pour la première fois, j'ai su qu'il était Dieu dans une chair humaine. Il est celui que le frère Joseph Coleman a dit. Il a dit, quand j'ai vu Branham, frère Coleman a dit, j'ai su que c'est l'homme à qui la vie littérale de Jésus-Christ était manifesté en lui. Qui peut dire amen? Il est celui que le frère Joseph Branham dit. Vous écoutez la voix dans les bandes. Vous écoutez la voix de mon père. Mais ce n'est pas mon père qui a parlé. C'est la voix de Dieu lui-même. Il est celui qui aura Robert. En 2009, avant de mourir, on lui a dit, qui tu veux mourir? Qui est l'homme le plus grand? Qui peut dire amen? Aura Robert a dit, l'homme le plus grand de nous tous, c'est William Branham. Il est allé dans mon salon, j'ai mis sa grande photo avec moi, parce que c'est l'homme le plus important. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Acclamons le Seigneur pour le pouvoir. Mes amis, un tel homme, un tel ministère, son impact est glorieux dans nos vies. Si cela ne vous dérangerait pas, Moïse, l'impact de son ministère dans les premiers exodes n'a jamais pardonné les péchés de l'homme. Ça couvrait le péché. Mais dites amen. Même notre Seigneur Jésus, l'impact de son ministère sur la terre a pardonné nos péchés. Jésus a terminé le problème du péché au calvaire. Mais qui peut dire amen? Mais cet homme est William Branham que Jésus a envoyé. Son impact, c'est au-delà du pardon des péchés. Ici, il amène la perfection. J'attends le prédicateur. Frère Branham est comme Paul. Branham est plus que Paul. Branham est l'équipe Paul. Paul avait dit, je connais en partie. Mais quand le parfait vient, aujourd'hui, nous avons le parfait.
Nous sommes dans la perfection. Qui peut dire un grand amen? Hallelujah. Amen. C'est pourquoi son impact est dans tous les types de la Bible. Quand il vient, nous quittons l'âge pentecôtiste. Nous entrons dans un autre âge. Dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse est caché dans toutes les femmes de la Bible. Qui peut dire un grand mère? Regardez quelques types de l'impact. Son impact, c'est l'impact d'Elohim devant Sarah. N'ayez pas peur. Sarah avait vieilli. Sarah Anuna qui devant ce ministère-là. Elohim dans la chair. L'impact de Sarah. Sarah a changé. Sarah bon. Et Jésus avait dit. Yes, ce qui arrive en ce temps-là reviendra de nouveau. Madame dit, si vous m'aimez, appelez-moi votre frère. Mais quand l'ange descend, je vous tourne le dos. C'est le même homme. L'impact de son ministère doit amener un changement. La translation, c'est son impact. C'est comme Eliezer. L'impact de Eliezer sur Rebecca. Rebecca. Ça, Eliezer. Rebecca n'ira pas au mariage. Sans Branham. Tu ne seras jamais mariée à Jésus. Mais dis ta mère. Oh, je salue Rebecca ce soir. Son impact, c'est comme l'impact de Moïse sur Sephora. Une femme noire. Quand Moïse a oublié de circoncire, il a pris le truc. Il a circoncis. Il est tué pour moi un époux de sang. Il y a ici plus que Moïse. Qui peut dire un grand mère? C'est quoi le passé beaucoup m'aide ici pour circoncire les gens par le vrai Saint-Esprit. Son impact, c'est comme un Josué et les 12 espions. L'impact de la maison de la prostituée Rahab. Béni soit Rahab qui a été gardée quand le jugement tombe, quand la Russie va bombarder. Il y a un Rahab. Appliquez le signe. L'impact de Josué dans nos filles. L'impact du ministère de Frère Branham, l'épouse ne passe pas par les juges. Qui peut dire un grand mère? Son impact, c'est le type de Boaz et de Ruth. Frère Branham n'est pas Boaz. Boaz est Jésus-Christ. Boaz est Jésus-Christ. Mais Boaz avait porté un nouveau manteau. Boaz a cassé la yasika. Jésus aujourd'hui a pris un corps de chair. Et il a racheté Ruth. Béni soit Ruth la Moabite. La Moabite est rachetée. Pas que nous serons. Nous sommes déjà rachetés. Amen. Son impact, c'est comme David, David et Bathsheba. L'impact de David à Bathsheba afin que Bathsheba mette au monde Salomon. Salomona. L'impact du ministère de Salomon, c'est pour nous amener au millénaire. Un nouveau Salomon. Salomon. L'impact de Mardoché à Esther. Y a Esther. L'impact de Mardoché. Esther est partie. Esther a Kendaki. Et le roi lui a tendu le sceptre. Demande ce que tu fais. Même si c'est la moitié de mon royaume. Oh, je me sens religieux. L'impact de son ministère. Comme un Samson. Et la femme. Personne ne peut expliquer les mystères aujourd'hui. Jésus ne t'expliquera pas. Samson n'a pas expliqué. Si vous voulez l'explication, allez chez la femme. C'est nous qui expliquons aux gens. Qui peut dire un grand mot? L'impact de son ministère. Élie est la veuve de Sarepta. Maintenant que le monde était dans la sécheresse. Mais l'impact d'Élie. Une femme était en abondance. Je crois que cette église entrait dans l'abondance. L'impact d'Élie. Si la
Silamite. Elle avait conçu une maison pour le prophète. Que Dieu bénisse cette église. Ça, c'est l'église de Frère Branham. Alors la récompense, la stérilité était partie. L'impact de Juda sur Tamar. Tamar a dit, avant de m'épiner, est-ce qu'il y a Tamar? Avant de m'envoyer en enfer, je dois vous dire qui est le propriétaire de cette grosse. Amen. Alors voici le signe. Qui est le propriétaire de ces sceaux? Et de ces sceptres. Nous sommes Tamar. Qui est le propriétaire de ces sceaux que beaucoup m'affichent? Qui est le propriétaire de cette épée à Sabino Cagnon? Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer. C'est ça l'impact. L'impact de ministère. Comme Marie. L'ange a salué Marie. Qui me soit fait selon la parole. Et je salue Marie Omega. Quand Frère Branham vient, on ne doute pas de ce que Branham a dit. Personne ne peut corriger Frère Branham. Personne. 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 Qui peut dire amen? Nous nous disons qu'il nous soit fait selon ce que Branham a dit. Quand tu crois ça, il y a un impact. Tu commences à voir Jésus. Qui peut dire un grand amen? L'impact de son ministère, c'est Jésus-Christ qui a amené la Pentecôte. L'impact du ministère de Branham, l'église aura la Pentecôte. Là où nous serons ensemble. Là où on ne va pas se contredire. Là où on ne va pas se battre. Là où nous sommes le même cœur. Même esprit. Et le Saint-Esprit descendant. L'impact de son ministère. Devant Atiroite. Alléluia. Amen. Un diacre de son église. Qui était censé croire à son impact. Il m'a dit l'impact de mon ministère. J'ai créé les écureuils. Et le diacre est venu prier. Il dit, Seigneur, si c'est vrai, nous voulons retrouver l'autre. Mais l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Mais quand il était devant cette femme, il dit, j'ai créé les écureuils. As-tu dit amen? Tu es descendu. Demande ce que tu veux. Et je ne suis pas venu vers vous avec des discours. Je crois au Dieu de Branham qui fait les miracles. Et ce soir, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Ici, il y a plus qu'Atiroite. Je peux dire quelque chose. Atiroite a vu Branham. La Bible dit, il reste celui qui croit sans avoir vu. Je ne l'ai pas vu. J'étais dans les jungles de l'Afrique. Et je crois de tout mon cœur à la création des écureuils. Si tu crois ça, Atiroite t'a dit un seul amen. Mais nous disons amen chaque jour. L'impact de ça, recevez la vie éternelle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'impact de son ministère. Aujourd'hui, je ne vais pas vous cacher. Aujourd'hui, prêcher la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, prêcher la divinité en Branham, c'est bien. Combien croient ça? Mais ce n'est pas tout. Après son départ, nous voulons l'impact de son ministère. L'insistance aujourd'hui, ce n'est pas la divinité en Jésus, ni en Branham, mais c'est la divinité de l'épouse. Dites amen. Dites amen. Et que les aigles disent amen. Et que les vautours se taisent.
Parce qu'ici, l'impact de son ministère, ce serait Jésus-Christ lui-même. Dans l'âge de l'épouse. Dans la venue épouse. Mais dans la forme de l'épouse. Voici Jésus. Jésus prédicateur. Jésus motei. Jésus interprète. Jésus kolimbola. Jésus ancien. Jésus mpaka. Jésus pasteur. Jésus mobateli. Jésus musicien. Jésus walanga sembo. Jésus disa amen. Jésus kolobaka sembo ngo. Vous devez savoir la saison correcte. Ne prêchez pas pour prêcher. Quel est l'insistant de ce jour? C'est la divinité de l'épouse. Jésus Moluba. Yes Moluba. Jésus Mongala. Yes Mongala. Jésus Mouswahili. Yes Mouswahili. Qui peut dire amen? Mes frères, plusieurs Jésus. Yes, c'est le grand de bleu. Allez chez nous à Kisangani. Yes, à Kisangani. Ou à l'équateur. Yes, à l'équateur. Quand on plante un maïs. Yes, quand ça produit. Yes, c'est plusieurs. Yes, nous sommes l'impact. Tozalimbano. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Ce soir. N'a pas quoi oyo. 57 ans. Mibutu kumitano na sambo. Depuis son départ. Utabo keinaye. Le pasteur a bien choisi le sujet. Mobate la prenez mon konza malamu. Quel est l'impact de 57 ans? Mbano nini mbula tu kumitano na mitano sima bo keinaye. Lévitique 25 dit. Le huit tu m'as invité lobby hein. Vous compterez. Vous comptanga. Soyez bien tanga tête tali. Si vous n'avez pas compté tant pis. Vous compterez chaque 7 ans. Vous comptez la sambonyoso. Et chaque 50 ans. Tu as tout mis dans nos nyoso. Vraiment j'irai. Vraiment là pas kindai. C'est toujours. Tango nyoso. Always. Tango iso. Le jubilé. Jubilé. De 65. Comment 65? À 2015. À 2015. 50. Mais vous tout mis dans nos. Dites un grand mère. C'est passé bon. C'est quoi la même année, Joseph est devenu pasteur. Je dois commencer mon bateli. Et de 2015. Bon, 2015. À 2022. 2022. Combien? Boni boni. Tout kumitano na sambo. On m'a dit il n'y a rien dans les 7 ans. Il dit c'est un prédicateur vous dit. Il n'y a rien dans les nombres. Il dit c'est qu'il ne connaît pas la partie numérique. Ça c'est une année de jubilé. Le jubilé de l'impact. Du ministère de frère Branham. Dans cette convention. Et ça tombe l'année 20, il n'y a pas le 22. Dans la Bible, dans les gématries. La Bible, dans mitouya. Qui peut dire amen? 22. C'est tard. Ezali tave. L'alphabet hébreu n'a que 22 lettres. C'est quoi? Dieu s'appelle Alpha et Omega. Alpha et Omega. En hébreu. Aleph et Tav. Aleph et Tav. En chiffre. La mitouya. Moko. Et 22. Ça c'est l'année de Dieu. Mbula yanzambe. Amen. Tu vois l'impact. Oh, merci Seigneur. M'attends du colo. Notre pasteur a bien choisi. Et l'ancien a bien introduit. Qui peut dire amen? C'est l'année de jubilé. L'année où nous recevons l'impact. Nous devons devenir bénéficiaires du ministère de frère Branham. Parce que dans la Bible, la Bible a 66 livres. 22. Chaque fois qu'on arrive à 20, Dieu traite avec la femme. De Genèse, 22e livre, c'est cantique de cantique. C'est qui? Nani? La femme est noire. Moi, c'est Moïndo. Dieu recommence. Esaïe, jusqu'à 22, c'est quoi? Acte des apôtres. C'est quoi? Dieu dans son église. De Romains, 22e livre, c'est Apocalypse. Maintenant, dit Apocalypse, c'est pas Jésus dans la forme épouse. Mais Jésus dans les chandeliers. Cette année ici, c'est l'année 22. C'est l'année de l'impact. Et ça m'a beaucoup à cause de l'impact.
Parce que William Branham dit, est-ce que vous êtes là? Mais où sera son impact? Je vais terminer. Où sera son impact? Branham est le prophète du monde entier. Qui peut dire amen? Mais lui-même m'a dit que mon, j'ai lu ça ici, que mon ministère aura l'impact en Afrique. Je suis heureux d'être africain. Je suis noir. Nazali moino. Mais je suis belle. Kasi naza kitoko. C'est quoi il a dit? Tata lobami. Il y a le Canada ici. Bato la Canada bazali awa. Il y a les États-Unis. Bato les États-Unis bazali. Il y a le Mexique. Eba bata Mexique bazali. Mais quelque chose dans mon cœur. Eloko na moté manangai. Qu'est-ce qui était dans son cœur? Eloko na moté manenini. Nos cœurs sont remplis de haine. Itabisete na koina. Et de combat et de jalousie. Mais le cœur de Branham était rempli de Dieu. Dites amen. Quelque chose dans mon cœur. Matti. Vers l'Afrique. En Afrique. Bon, l'Afrique aussi, il y a des blancs. Afrique, mais il est précis. Je veux retourner vers mes frères noirs. Crédit va dire que Branham est raciste. Branham azali motabo ya kabatu mindo. Jamais. Soko mokete. Si y a quelqu'un qui a aimé les noirs, c'est William Branham. C'est William Branham. Branham est notre libérateur. Branham, il a dit américain, américain, canadien, canadien, levez les mains et dites, nous sommes un peuple embrouillé. Nous avons besoin de prédicateurs africains. Il a dit, alobaki, ceux qui sont avec moi ne comprennent pas très bien malamu penza, au sujet de ces choses. Mais attendez, Kasibozela, quand mon message arrivera aux extrémités de la terre, yamokili, c'est-à-dire koloba, l'un de l'Afrique, l'un Afrika, je suscitera des merveilleux auxiliaires. Ils vont arracher la parole aux mains des anges et des anges. Qui peut dire amen? Et il y aura l'impact comme jamais auparavant. C'est quoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous sommes ici comme la reine de Seba. Il y a ici plus que la reine de Seba. L'impact du ministère de Branham, l'Afrique se lèvera avec beaucoup de richesses. Que Dieu bénisse chaque personne qui a contribué pour bâtir ce temps. Je crois que vous deviendrez plus riche. Parce que c'est la reine de Seba. L'impact de son ministère est que l'épouse sera totalement restaurée. Et lui viendra et restaurera toutes tes choses. Souvent j'ai lu une citation ici, vous n'avez pas fait cas. Il vous montre les signes de l'impact. Ici, si je pense à Florence Nittingan. Oh, je passe à photo ici. Combien se souvient de lui? Voilà les signes de sa guérison. C'était les signes pour qu'il vienne en Afrique. En Afrique. Il lui a rencontré à Londres. À Londres. Et il a prié. Et les tourterelles est venu. Et l'Anglican dit à Frère Banan, tu vois les tourterelles. Même si tu as maigri, tu vivras. Je voulais avoir ces deux photos-là pour vous montrer les pattes. Parce que moi, je m'en fous. Même si j'ai maigri comme ça, mais je resterai devant le ministère. Ça a changé Florence, bon, là, Florence d'une femme comme ça ya, moi, si, ya, à une femme comme ça. Et Branham m'a dit que c'est ça les signes que je viens en Afrique. Et je crois que la femme c'est l'église. Pasteur Adolphe, ne t'en fais pas. Il y aura l'impact. Cette église deviendra très grande.
Parce que Florence est notre signe. Pendant que je parle de ces choses, même si tu es malade, ce n'est pas mon message. Tu es dans l'obligation de confirmer le pouvoir. Gloire à Dieu, même. L'impact de ça est que l'épouse sera parfaite. Tu as juré. Nous serons parfaits. Amen. Qui peut dire un grand amen? L'impact de ça est que l'épouse du temps de la fin sera Apocalypse 18. Va vers l'ange. Prends le lit. Avale-le. Qui peut dire amen? Quand on avale, qu'est-ce qu'on fait? On prophétise à toi. Sur le peuple, les nations. Est-ce que le Congo c'est une nation? Et les langues. C'est ça l'impact de la divinité. En ce moment-là, est-ce que je peux terminer? Si cela ne va pas vous scandaliser, Branham n'est pas la voix finale. Branham Azali Zela Asukate, Mongongo Asukate. Il est le dernier voix. Azali Mongongo Asuka. Mais pas la voix finale. Parce que l'impact de sa voix. L'épouse. Branham a dit d'exposer. Branham a dit d'exposer. Que l'épouse. Sous ses messages. Sera la voix finale. Coulage final. Passer à Dieu, c'est toi la voix. C'est toi la voix finale. L'impact du ministère de Branham. Nous devenons la voix finale. Prédicateur, tu es la voix finale. Sous le messager. Quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. C'est la divinité qui parle en toi. C'est quoi il nous a dit? Qui peut dire la même? Satan, quand tu dis que rien, tout est possible à Dieu. Satan ne craint pas Satan. Mais la chose que Satan a peur, que tu puisses dire, Satan devient fou. Je suis venu ici à Kimbanseke, à Mikondo, pour rendre Satan fou. Et je lui dis, Satan, liboma na yo. Satan tient fou. Branham dit, la chose qui rend Satan fou, que les gens croient, que l'épouse croit, rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que vous croyez à ça? Croyez-vous à Frère Branham? L'ange lui avait dit, si tu amènes, les gens te croient. Quel sera l'impact? Rien ne résiste. Mais ce soir, rien ne va résister. Cette convention sera glorieuse. Nous sommes la voix finale. Pour l'âge final. Qui sommes-nous? Nous sommes l'impact du ministère des frères. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, remercions d'abord l'homme de Dieu, le pasteur Zakola qui a apporté la parole. Et c'était vraiment merveilleux. Le pasteur Zakola est encore parmi les serviteurs de Dieu qui creusent encore en profondeur les Écritures. Et lorsqu'il apporte la parole, vous êtes au moins sûr que vous allez écouter quelque chose. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce que vous avez aimé ce message? Je voulais que vous acclamiez très fort pour le pasteur Zakola, pour le savoir.